Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tirer la bande de combo. Dans ce là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté la bande de au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le coup la bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Merci de suivre Repère, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Je vous présente ce nouveau numéro parce que je reçois une icône que vous savez très bien. D'ailleurs, c'est une personne n'est même pas présentée parce qu'il est déjà connu, quoi. Donc, il nous fait juste honneur d'être sur notre plateau pour la toute première fois et sur Repère. D'ailleurs, c'est aussi un repère parce qu'il a su à démontrer depuis de plusieurs années ici en République démocratique du Congo que c'était une référence. Il nous fait honneur de répondre à nos questions. Avec lui, nous allons devoir parler sur sa carrière, nous allons devoir parler sur son parcours. On va essayer un peu de parler de la politique. Donc voilà, lui c'est Dauphin Boulamatari qui nous fait honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui. Alors je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Dauphin. Bonjour, merci beaucoup en tout cas. Heureusement, toi, tu as bien prononcé mon nom parce que beaucoup de gens disent souvent Boulamatari. C'est Boulamatadi. Boulamatadi. Voilà. Boulamatadi, casseur de pierre. Casseur de pierre. Mm. C'est en quel nom? C'est en Kikongo. C'est en Kikongo. Voilà, c'est casseur de pierre. Et puis, j'ai hérité de ce nom de mon grand-père qui fut le premier machiniste de chemin de fer. Ah, il fut le premier machiniste. Donc, Motomouine de Liboso, Kumba Ngunduka. Oh. C'est mon grand-père. Il y a un Oerita. Bon, ouais, c'est ce temps-là qui a donné ce nom à mon grand-père. Et puis voilà, qui t'a dit Panamis. Très bien. Alors, avant de pouvoir entrer en profondeur, et là, au Tsopesa, Miso Kumbo, le nom et le prénom, et Dauphin, il a surnom. C'est vraiment mon prénom. C'est vraiment mon prénom, Dauphin. C'est vraiment mon prénom que mon père et ma mère m'ont donné lorsque je suis né. Dauphin. Donc, modifié le hôté. Mon nom, c'est Dauphin Noir de Miguel, mon prénom. Et Boulamatadi, voilà. Boulamatadi, lui, est ma kelele. Vous êtes le roi de Moussou soit côté par exemple dans une certaine ville, même par rapport à sa profession, avait un peu changé. J'ai gardé mes noms, Jules et puis Mie. Évidemment, c'est comme ça. Voilà, c'est authentique, non, on a changé. Mais sauf qu'il y a des surnoms par rapport, peut-être, tu vois, le fait que je suis humoriste, j'imite, j'ai souvent l'habitude de faire la caricature de certaines autorités politiques. On m'appelle Kabila. On m'appelle Fachi, on m'appelle Mobutu, on m'appelle Michael Jackson. Voilà, des par les personnages que j'imite souvent. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, Dauphin Boulamatadi, pour les personnes, peut-être qui parlent un peu de la genèse de la chose. Voilà. D'où est-ce que vous avez commencé et pour être dauphin aujourd'hui, déterminons un peu genèse de tout ça, en fait, de dauphin que nous connaissons aujourd'hui, une icône. Tu es belé, en fait. Ah, dans merci. Ce monde, non, merci. Ce domaine. Voilà, j'ai commencé depuis l'enfance, comme la plupart d'entre nous, bien entendu. J'ai commencé vraiment depuis l'enfance. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que j'ai beaucoup de casquettes, tu vois. J'ai beaucoup de casquettes. Je vais peut-être te surprendre ou te choquer. Je suis humoriste. C'est vrai, je suis réparateur. Réparateur. Des radios, télévision, les postes téléviseurs, PlayStation, les Nintendo à l'époque. J'espère, je pense que c'est là qu'ils vont me reconnaître. Quand j'étais encore enfant, il y a des gens qui venaient me donner leur console, des PlayStation, des Sega Mega Drive, des Nintendo, pour que je puisse réparer tout ça. Je suis dessinateur parce que j'ai fait le Beaux-Arts, je fais des dessins, de la peinture et tout ça. Je passais par là, je suis encadreur comme tu l'as dit, je suis
comment je peux dire encore, un ventriloque. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Mais ça a commencé, c'est depuis l'enfance, tu vois. À l'époque, des fois, bon, parce que moi, mon père a travaillé avec le maréchal Mobutu. Il a fait 28 ans avec le maréchal Mobutu. 28 ans. 28 ans avec le maréchal Mobutu. Il est vivant aujourd'hui, donc c'est une bibliothèque vivante, que je salue aussi en passant, papa. Alors, comprenez, à l'époque, j'imitais facilement un peu Mobutu, parce que tu vois, papa très Mobutu, on imitait papa, on imitait les tontons, c'était un peu comme ça la famille, tu vois. Après avoir mangé, on se racontait des petites histoires, tu vois, comme ça se passe un peu dans plusieurs familles. On imite un tel tonton, on imite telle personne, on imite papa, donc ça commençait comme ça. Mais déjà, je vais dire que la personne qui avait ça, c'était mon grand frère. J'étais fan de mon grand frère, en fait. C'est lui qui vient avant moi. Emery, c'est lui qui était à Il la avait déjà RTNC. l'art Il avait de déjà l'art, l'humour. voilà. C'est lui qui était à la RTNC qui faisait le panier. Emery, le moutonneur, voilà. Alors, à voir ce que mon frère faisait, automatiquement, ça avait de l'impact sur moi. Tu vois, il était une sorte d'un guide, d'une référence pour moi et tout ça. Alors, Oui, vous lui, appréciez. j'ai apprécié, voilà. Il a choisi son chemin. Et puis, moi, ça m'avait beaucoup plus infecté. Puis, voilà, j'ai commencé comme ça à faire des émissions à la maison, à faire des petits trucs. Donc, ça commençait comme ça. Mais c'est après, la personne qui m'a reconnu en premier, c'était Monsieur Diego Amici et Monsieur Franklin Lucalansoni, qui ont découvert d'abord mon côté animation. Tu vois? La première émission que j'ai faite dans ma vie, c'est avec Jean Tamisine. Alors qu'il Jean n'était pas. Tamisine. Jean Tamisine, ici, moi, alors qu'il n'était pas encore connu. Tu vois, c'était dans ses débuts au Ouengué BCBG. J'espère qu'il va se souvenir. Quand on voulait faire un documentaire sur Jean Tamisine. Voilà, Mais donc. c'était sur quelle chaîne? On n'avait pas encore de chaîne à l'époque. Tu vois, c'était d'abord qu'on voulait créer, mettre sur place un projet, tu vois, une émission de ce genre, et puis aller proposer dans des chaînes. Alors, en même temps, c'était une formation que je suis en train de suivre auprès de cette maison Luxon Service. Voilà, c'est Luxon Service. C'était qui ont découvert mon côté animation, qui m'ont un peu façonné et tout. Le côté comédie, c'est Eric Ndala qui m'a découvert, le patron Eric de Ndala. l'atmosphère. Eric Ndala, à l'époque, c'était quand il était le patron de l'atmosphère. On faisait un truc cabaret du rire où je partais imiter. Là. Mais la personne qui m'a propulsé, c'est Deo Kassongo. Dio Casson, Divo. Devos, Divo. Divo. Divo, voilà. Le patron de Showbuz et le futur gouverneur, si Dieu fait grâce. Donc bonne chance à lui. Alors c'est Deo Kassongo qui m'a découvert. Et c'est avec Deo Kassongo qu'on a fait le tout premier one-man show. Dans les tout premiers one-man show, bon, tu vois, au Congo, on a un petit problème. C'est les problèmes de l'histoire. Tu vois. Je sais que ça a commencé depuis très longtemps, parce que celui-là, au Panzanteke, ah ouais, t'as quoi de ma politique, Nagati. Tu vois, le Congolais, on ne nous donne pas cette envie de connaître notre propre histoire. On a l'impression que les Blancs ont tout fait, et puis voilà, On ils ont dirait problème. que l'homme noir n'a rien On n'a à rien voir. fait, l'homme noir n'a... Voilà, c'est un peu ça, tu vois. Alors, si seulement si, même le programme d'éducation, on étudiait l'histoire du Congo dans le vrai sens du mot. Dans la profondeur, on est à Katibokibokatsinango, tout découvrir le Congo, qui ont eu à marquer, qui ont eu à impacter, qui ont eu à faire ceci, faire cela. Je pense que c'est Babiso Auto, passé inaperçu. On est peut-être connu par nos efforts, à Dauphin Star, Dauphin Prêtre, à Yebani, à Lekaka, il a fait Biwane Show, à Missiwa Tebele, mais qui finalement nous encourage? Qui finalement vient pour, voilà, Dauphin, vous méritez tel. Ata Baba, ata Trophée Temata, Mbokaes, et Bako reconnaître Auto, ça là. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le tout premier one-man show, c'est Dauphin Boulamata Dy. Donc, Talibo, soit ça la one-man show, na Kinshasa, na La RDC, RDC. c'est Dauphin Boulamata Dy Il est avec le Deo Kassongo. premier. Oui, je l'ai dit et c'est à vérifier. C'est avec De ce Deo Kassongo. qu'aujourd'hui, Batbossa, Baba Show, ils se sont inspirés par Dauphin Moulamatali. Mais t'es inspiré, va te bêler. T'es inspiré, va te bêler aujourd'hui. Même si beaucoup de gens ne vont pas l'admettre, mais t'es inspiré, va te bêler. Histoire, parce que nos enfants auront besoin de ça, en fait. Aujourd'hui, tous les privilèges, tous audace, tous les audace, il y a autant de Napoléon Bonaparte, Jeanne d'Arc, Charlemagne, etc. Quel impact ça a avec notre vie, le Aujourd'hui, Congolais? on pourrait aussi parler, il faut peut-être battre un peu de Dauphin Mais Moulamata. évidemment, pourquoi pas d'autres personnes qui ont eu à marquer aussi, à faire des trucs extraordinaires dans Bokanabiso? Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et la personne qui a pu dénicher ses capacités, ou a pu sûrement opportunité, c'était Deo Kassongo. Divo, ouais. Né à Bossali, Shonabino Ali Eli Bosso. Bosso, Dauphin fait le Et show. c'était où? Non, Salon Congo à Grand Hôtel Kinshasa. Salon Congo. La Grand Et Hôtel, c'est à lui qui l'époque. avait mis les moyens en Il jeu. a mis les moyens, en jeu. Et c'était pour moi un honneur. Le tout premier One Man Show, et il y avait comme invité spécial la famille présidentielle. À l'époque, Oh. Joseph Kabila Kabange, bien entendu, bah, frère et sœur Nibalaka Il était là. Nébélé. Non, pas lui, il y avait frère et sœur Nibalaka Nébélé qui sont venus
assister à mon spectacle. Et c'est ça qui m'a aussi ouvert beaucoup de portes. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de partenaires, beaucoup de sponsors. C'était extraordinaire, en fait. Donc, De Femme le Matin a été lancé par ça. Évidemment, c'est là que ça a commencé. Après, Divo, il m'a présenté devant le monde. Il m'a dit, vous connaissez ces garçons, ces messieurs. Ils s'appellent Dauphin Bleu Matin. Il dit, désormais, voilà, Botiaye, parmi ma grande star, souvent dans la poste, Naye, Botiaye, Botiaye, parce qu'il a démontré de quoi il est capable, etc. Donc, il m'a présenté devant le monde. Donc, Obabengara, Pababaindo, à Sakinga. Tu vois, à Sakinga. Sakinga, et puis voilà, c'est là que ça a commencé aussi. Très bien. Ce qui t'a dit, c'est que tu as dit que tu as dit que tu as inspiré, c'était le grand frère. Pour que tu as dit que tu as alors, quelle entité les thèmes que tu utilisais beaucoup plus au fait quand tu côté vraiment sur la scène de l'humour? C'était, en fait, on m'a découvert, c'est par les traductions des films et des dessins animés que j'ai eu à faire en Lingala. Le Roi Lion en Lingala, en l'occurrence. Un prince à New York à Lingala. Ayum Dosa. Ouais, c'est moi qui ai tout fait. Ouais, inspiré, quelle boule. Il y a Nekonangai, Alain Paloukou. D'ailleurs, il est dit, il est témoin lui-même. Et puis, c'est l'inspiration. Ouais, Bimisa, et puis, inspira, Shrek, etc. C'est Dauphin Tabanda. Toi, ma pionnière, on m'a mis belle, au fait. Waouh. Oui, c'est Dauphin Tabanda, le Roi Lion Lingala. Donc, aux yeux des films, Moro Bouamine, nous tiens sous une version de Lingala, mais sous une version comique en plus. Tu vois, Rambo Nassala, j'ai pas repris ce que Rambo a dit. J'ai mis ça sous une version comique. Donc, j'ai mis autre parole par rapport à ce que Rambo a dit. Et puis, tu vois que la bouche, ça mimait quoi. Quand il dit, Boupianga moi aussi, Nafanaï, Nalia, Nalala. Et ça, tu vois, ça collait, c'est comme ça. Et puis, l'avantage avec moi, tu vois, quand chaque fois que j'imite et je cherche à faire la voix, pour qu'on ressente. Donc quand c'est Mufasa qui parle, tu sens que Simba, Okosingai, Ngokufaka pour Nakilokoso, tu vois. Et quand c'est Pumba, hey Simba, Yakutala, on dirait Kofi. Quand c'est Timon, hey, Kosimba était, tu vois, c'est un peu comme la voix de Timon, quoi. Et puis, Ebima, vraiment très réel. Donc c'est ça, ça a commencé par ça. Et puis, il y avait encore quoi? Mon émission 100% blague, il y avait ça et mes imitations. Quand je me déguisais, quand je mettais Mobutu, quand je mettais Michael Jackson, et puis voilà, et puis mon côté comique, c'est ça qui a fait à ce que voilà. Dauphin, par rapport à l'imitation à ma voix, est-ce que ça a été facile pour toi de faire ces imitations-là? Non, non, pas facile, c'est pas facile en fait. Il faut, bon, d'abord, au départ, il faut que la voix de la personne soit une voix remarquable. Une voix. Par exemple, si c'est parce que vous avez trouvé en vous que vous avez une voix remarquable. Voilà. Bon. Une voix imposante. Aussi, voilà, c'est. Voilà. C'est un peu ça aussi. Parce que tu vois, je donne un exemple, là, c'est pas que je me moque, mais par exemple, si j'ai dit j'imite l'actuel Premier ministre, comment il s'appelle Jean-Michel Sam. Même si je l'imite, les gens vont dire, est-ce que c'est lui? Peut-être que c'est ses proches. Parce que sa voix n'est pas... Tu vois ce que je veux dire, hein, tout de suite, quoi. Je comprends. Quand tu fais André Kimbuta, tu sens, ah, c'est Kimbuta. Ouais. Quand tu Mobutu, eh ben, je crois que mon devant, eh ben, tu sens que c'est Mobutu. Donc, la chose qui me facilite un tout petit peu d'abord, c'est ça. C'est si la personne déjà a une voix qui est remarquable, okay. Voilà, ça me donne la facilité de bien imiter les gestes, les tics, et puis voilà, ça va avec. Donc, enfin, quelle est la différence qu'il y a entre humour et comédie? Bon, en fait, le comédie, d'abord, un acteur, c'est un comédien. Dans le bon français, un acteur, c'est lui qui fait le film, qui passe dans un casting, ce sont des comédiens. Donc, la comédie, on fait la comédie, tu vois. Un humoriste, c'est lui qui, comment je peux dire, c'est lui qui a le sens de l'humour, qui apporte la joie, qui fait rire, qui a, toi t'es un humoriste, c'est différent, il y a un comédien, parce que quand on dit comédien, on te reste que non, toi c'est que ça gâte, non, donc un comédien c'est un acteur, donc Schwarzenegger c'est un comédien, Sylvester Stallone c'est un comédien, c'est un comédien, c'est dans ce sens là au fait, mais l'humoriste c'est un peu différent, parce que c'est un peu particulier, donc quand tu es là, donc voilà, ce qu'il fait maintenant c'est, il doit apporter la touche, il y a quoi qui ça. Très bien, voilà. Alors, Dauphin Bleu Matin, la comédien, toi, humoriste. On a 5 sarignons, on a 4. On a 5 sarignons, ça. Oui. Donc, il y a double sim. Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Humoriste, comédien, animateur, présentateur, donc tout. Là, ce que c'est, j'ai télévisé, j'ai vu, télévisé. Attends, la comédie, maintenant, on a sauvé, on a Dauphin, vous avez combien d'années de carrière aujourd'hui pour parler? Mes années de carrière, d'abord, j'ai le 10 avril, je totalise 45 ans. D'âge, wow. 45 ans d'âge le 10 avril. Dion, Cho et Betty, 12 ans. Le 10 avril. Le 10 avril, c'est 10 avril. Un joyeux anniversaire en avance. Merci, hein, beaucoup. Merci. 17 ans de carrière. 17 ans de carrière. 17 ans de carrière.
17. Cette année, ouais, 17 ans de carrière. Cette année, tu as 18 ans. Cette année, ton côté, tu as 18 ans de carrière. Ouais, moi, on n'a pas Botami Pena, Kotipé, vive. Évidemment. Évidemment. Waouh. 18 ans de carrière. Ah, félicitations. Hein, on a trophée sans trophée, mais bon, bref, on fait avec. Le pays ne nous donne pas des opportunités, ne nous offre pas des opportunités. Togena quoi, via Rabaninga, Tobetambo. Tu vois, je vais dire une chose, Nako, manifestez-moi ras-le-bol. Okay. Tu vois. Aujourd'hui, mon frère, je pense que tu as appelé Dauphin. J'ai répondu, j'ai fait de mon mieux, je suis arrivé. On a une émission, on a une invitation. Je sais pas. Peut-être plus que aux anabas difficultés pour nous inviter aussi certains grands. Y a bah moi connais ce connu. Et alors on a lingana na lobe la pas battu. Congo photo lingana. Tu vois c'est les moments qu'on tous s'entraide entre bisous. Même si on dit même pas mais c'est les blancs qui ont dit que nul n'est prophète chez soi. C'est faux. Bah bah bon pour nous bisous la qualité tout bah amour autant pas battu na bisous. Par exemple, la Biwan Show. Biwan Show, c'est une émission où on a ça là pour que l'on ait un esprit à aucun des envie à Kaba Ivoirien. Tu vois, regarde ce plateau, c'est très beau. J'ai dit tout à l'heure, je ne savais même pas qu'il y a un boss dans là. Et quand je dis, oh, il faut avoir une touche, il faut qu'il y ait un kambouya, il y a presse pour faire des plateaux qui sont au bout. Tout ça là, bon, pour nous, parce que quand tu reçois des invités, Aya Azala très à l'aise. Mais au moment de relancer invitation chez ton frère ou ta soeur congolaise ou congolaise, une star, quoi que soit son niveau, mais il va te faire chier à un moment où tu te dis vraiment finalement, est-ce que comment tu as pas ya awa? Toi, il n'y a pas de bon gâtin. Bisso, il y a un petit peu de répété. Bisso, il y a un petit peu de temps, on se centre d'Akate. Moi, j'ai vu une autorité qui m'a dit, mais Dauphin, mais qu'est-ce qui se passe? On ne te voit jamais au Parlement du Rire. Je dis, excellence, s'il vous plaît. Quel est ce jour que vous allez faire un effort de Gohou? Ou Digbe, ah ou le Ganabi One Show. Oh, ton émission, ça existe toujours. Ben oui, ça existe toujours. Oh, ouais, ça passe quand même, ça passe les dimanches. Ah, je vais suivre ça. Akimi, question. Pourquoi envier les autres? Pourquoi une bisoté? Pourquoi on pèse ma coquillette? Parce que si aujourd'hui on parle du Parlement du Rire, c'est parce que les autorités ivoiriennes ont pu donner main forte à Prabha Canal, plus etc. Ils ont donné main forte au Parlement du Rire. Et comment? Oh, ça, l'élo. Mais maintenant, c'est le Parlement du Rire en miniature, tu bingi biwan show. Pourquoi pas en compagnie à Ango Pété? Et bien, c'est parti, c'est belle, ça se forme des procès. On a comment au fin à ma pône à Ango. Les gens disent n'importe quoi sur Dauphin. Oh, excusez-moi ce que je vais dire, je vais peut-être être vulgaire, mais je dois le dire. Oh, pour fou l'artiste, il faut que tu le fasses des trucs avec homosexualité, etc. Mais non, mais c'est pas logique, c'est insensé. C'est insensé. Tout ce qu'on a en abyssaux, la culture en abyssaux est développée que l'ibosso. Nous avons des artistes qu'il faut, valable. Mais en tant que ce qu'on a en et aussi mbaté. Mais au moins, l'artiste permet, ok, dans une chaîne ivoirienne où on voit comme ça. Et puis au moins, on a moutoumoua, ce qu'on a simbé dans autres, à zomitika. Tu vois, au moins, un artiste, un bouffon, le côté de la balabala qui passera peut-être pour faire plaisir à cet artiste-là. Il y a abyssaux en abyssaux, tout le monde a un grand top. Bon, c'est un peu dans Zoto, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais l'émission. Et ce que Bengi est l'émission, voilà. Et l'émission est bon, au relaxer pour son adversaire, naïe peut-être. Mais l'émission est bon, la question est, il va parler bien de son adversaire. Ah non, lui, je le connais, nani nanana, plutôt quand t'es pas nani, non, bon, écoutez, il est qui. Mais yo, ah ouais, yamba, moutonne, n'a pas de photo, il peut même. Il va boycotter l'émission. Pour nini, il faut pas tout ça, n'a pas de niveau, n'a télé, mais la rabilo, quoi. Sincèrement, parce que tout a changé finalement. Donc les Congolais ne savent pas reconnaître les qualités de ses frères pas congolais. Du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais s'ils savaient reconnaître ma qualité, mais le président de la République a fait un maralaté. Mais tout ça, le règlement des comptes de la réseau sociaux. Il y a surtout Matako, ils ont délugé Banda. Je veux dire, ton côté, ma politique, on a une émission, l'équipe de Petit Moukama, tu es beaucoup en émission. Pour la vérité, ce faut le mais bon, je pense que des fois, on est obligé de le dire parce qu'il y a un moment, à part que vous êtes humoriste, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, dans un côté d'un mouvement panafricanisme. Voilà, pour qu'on mette un peu comme l'Africain, l'homme noir qui dort pendant très longtemps, en fait. De fait, tenons un peu par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Parce que je sens, je peux sentir ce ras-le-bol en vous et cette révolte-là. Il vous est déjà arrivé, mais il vous arrive jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Au coup d'un quand vous fassez des vues comme ça banco et bien évidemment jusqu'à aujourd'hui donc Benny Penza Moutouboye a posé au lapin je t'ai dit jusqu'à aujourd'hui au Benny Moutouboye si vous soulevez bien le jour invitation soit répété au Benny Moutouboye sans excuse père répétez quoi sans excuse comme je suis sur Benga à comment vous voyez sans excuse ça arrive bon qu'on a bissé. Or, les musiciens, les humoristes, banane sont les premiers consommateurs. Il y a des produits. Mais c'est des abysses. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est un peu ça. Mundela Tas Bouba, il va commencer par la France d'abord.
C'est la France d'abord. Ma panne balinga bi sauté. Balinga bi sauté. Pour le lolo capo ce qui va carré parce que la retourne. Quand il monte c'est là bas. Car les mêmes ils verront au coup fait là. C'est eux qui diront, tu l'invites ou tu l'appelles pour dire qu'est-ce que je peux passer dans ton émission. Mais écoute, il faut que tu sois dans l'actualité, vu, voilà, c'est comme ça. Mais tout ça là quand même effort. On fait une émission. Ce qui a au bien ici invité à Boyokoya, mais non, c'est les fonds, on a comme si on t'a fabriqué un artiste. Et on m'a allé le et belé la musique, bah, bimipé, bah, l'équipe à travers Biwan Show, bah, super, Makambu, dans la comédie. Et voilà, bah, mais belé. Il y en a comme si on a une fabrique d'artistes parce que, attends, ce qui, au Boyokoya, moi, nous, quand on a fabriqué, par contre, on a fait un kit, on a fait. Et voilà, c'est comme ça. Dans tout l'ingana. Et on a su, on avait vraiment, bah, autorité compétente. J'ai pas traité au basé sur place de l'incompétence. De l'incompétence, non. Mais si on au moins on avait des autorités qui n'ont compétence, qui avaient un cœur, voilà, et qui avaient au basé, attentionné, voilà, au basé un esprit culturel. Voilà. Qui comprennent la culture. On dirait que dans notre pays, la culture est inexistante. Il y a Makassi, et pourtant, la RDC référence, c'est la culture. Pourquoi à l'époque du maréchal Mobutu, à nous promettre beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus la culture en Burkina Faso, l'identité même d'un pays. C'est ça au fait. Obsédé par quelque chose, tout abandonnant nous. Là, mais nous peut-être que parce que ça va poster dans le gouvernement pour nous remercier Karabatu et non pour consommer la population. Parce qu'il fallait mettre les personnes qu'il faut la place qu'il faut mettre les la pète boité. Bah accompagner bisous que de vrai sens du mot, qu'on nous accompagne s'il vous plaît. Toi fin Karabatu tiens, n'est pas agro mabé. Je dénonce quelque chose au yé salabi sur passé. Parce que aujourd'hui, comment expliquez-vous dans un pays comme la République démocratique du Congo? Il n'a rien à voir avec les Warriors ou les Gaulois, rien à voir. Vous avez une star comme Fally Ipupa. Une star comme Fally Ipupa. Au hasard, l'élo avec une autorité Fally Asanango, avec un cocotisambongo, un ministère culturel, en face de moi, donc impossible. Ou le ministère peut organiser un mystique avec Fally, en imposant bien entendu certaines choses aussi. Donc, on l'a rappelé d'une manière ou d'une autre. Les idées, les stratégies, ça manque, au fait. Mais comment? Vous avez Fally, vous avez Ferré, Fabregas, Depic. Saï Saï, Vie de Loin, Rancia, Kisabaka, Aïda, Mama Kalunga, Caleb, papa, la liste est Eza Moulaï, Kende Bandekonanga, il y a l'Institut des Beaux-Arts, l'Académie des Beaux-Arts, Bartiste et Peintre, les céramistes. Mais non, mais attendez là, franchement, nous sommes des vrais ambassadeurs. Rancia, vous t'obéta parlement, abéta parlement, et plutôt, comment appelle ça? Je ne parle même pas le parlement du rire, je parle de le Marrakech de Jamel Debbouze. Ouais, ouais. Qu'est-ce que le pays a eu à faire pour la Rancia Kokilokil? Qui était allé représenter la RDC na Marrakech. Il y a toi là, Rabatou. Beaucoup de jeunes au monde, ils ont erré dans la ville à Kinshasa. Le talent, c'est le bel haut dauphin, ils ont déniché le talent. Ils ont passé en lumière, mais combattu par tes propres frères. Ok, pas de dauphin, à ça la raboyer. Il n'y a pas personne qui m'a dit, non, là, là, yo, face à la bouille. Mais arrêtez ces couillonnades. On vous accuse. Arrêtez ces couillonnades. Arrêtez ça. Seigneur. Et comment ça vous fait, en fait, quand vous Avant, ça m'énervait à un moment donné. Bon, après, je commence à comprendre que. Ça vous dérangez. Mais évidemment, avant, ça m'a dérangé. Bon, maintenant, je commence à comprendre que Ali, le Congolais, en fait, est qui m'a dit. Et puis ça, pour moi, il m'a dit, ah, t'es outil moussika makasi. Donnons raison à Félix Wazé, quoi, qui dit, parmi les richesses que nous avons aujourd'hui, n'y a des tochapé, moutema mabé. Bien évidemment, c'est une grande richesse que nous avons, qui moutema mabé. Yamoukolo, tu vas m'inviter, tout le monde, ma politique. N'est-ce pourquoi tu comment qui moutema mabé dans la Katambo Kanabiso? Quand je te dis que dans le côté mouvement panafricanisme, nous avons lu des livres interdits, je le dis haut et fort, les livres qu'on nous interdit, alors qu'ils sont lisables, lisamables, pour notre idéologie, plutôt fongolamiso. On a lu, moi, dauphin, personnellement, j'ai lu, j'ai ouvert mes yeux. Voilà pourquoi je pète beaucoup déjà, finger à dauphin. Quand je voulais postuler la présidente Nini, la députation, j'étais traité de tout et de rien. Fingi, humoriste, artiste. Nga, Caleb, Maya Jolie, Kalunga, Jean Goubal, Ouerasson, on a été insulté. Aujourd'hui, tout le monde est américain. Et on vous a insulté, on vous a traité de moins que rien. Moins que rien, les incapables. Donc, Congolais, comment on a un sens qui vous zoba? Tout le monde, Congolais, qu'est-ce que vous avez fait? Qui est-ce que les States, États-Unis, tout le monde? C'est les artistes. C'est les artistes. Quand on voit un Américain, vous pensez? L'armée, Basama Kassi, à travers le cinéma. À travers le cinéma que les Américains ont appelé Sarabiso. Et qui nous ont donné, qui ont influencé ma mémoire en Abisso.
C'est les artistes. Aujourd'hui, on pense qu'il suffit Arnold Schwarzenegger lui-même à qu'il y ait une guerre à Est, au vide de guerre à Est. Parce que tu as un commando qui a bunda qui a bimisi comme sauver moi. Il suffit à Sylvester Stallone, à Jean-Claude Van Damme, à lui seul qui n'a pas oublié de guerre à Est. Pourquoi? Parce que les Américains nous ont démontré ça. Et je te bande comment pour la technologie, le cinéma, bah top. Et qui ont fait ça? Bah quand bah dans nos grands, bah tout bande américain. C'est les artistes. Là on est aux États-Unis. Donc quand tu vois States, Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Wesley Snipes et bah tu vois acteurs, ils sont respectés. Parce qu'on considère Kabango. Sauf si en Chine, Japon, c'est la même chose. C'est les artistes. C'est les artistes. Mais comment est-ce qu'on a bien, comment est-ce qu'on a un abisso? Considération exacte. À taper tout ce qu'on postule. Là, on postule qu'à quelqu'un pour une peut-être certains abisso peuvent être un problème. Mais certains sont un problème. Oh, bon, on peut pas lire là. Est-ce qu'il manque nos CD chez eux? Est-ce qu'il manque nos images dans notre Kabango? Et c'est ça Kabango. Et qui sont les personnes qui sont beaucoup plus proches de la population? Ce n'est que nous, les artistes. Mm-hmm. Parce qu'à travers nos sketchs, à travers la tête en abisso, nous relatons les vécus quotidiens. Nous relatons les vécus des Congolais. Ça veut dire que nous serons des vrais Balobéli Nabango dans le Parlement. Parce que c'est ça qui est dans la tête en abisso. Tu suis un théâtre au Seki, tu suis un théâtre au Léli, au compte de tes émotions. Parce que tu as relaté la vraie vie des Congolais. Mais vu que Kibouzou est contre le Congo, voilà, tout est en patouche, tout dans la stupidité. On n'avance pas, on nous injurie, on nous traite de tout. C'est fort malheureux de constater que la RDC ou bien la société congolaise ne fait que se dégrader du jour au jour. Enfin, vous en avez raison, mon frère. J'ai toujours expliqué une chose. Aujourd'hui, au gros rouler la Toyota Prado, par exemple. Mais mon colo Prado, Toyota, monsieur Toyota, à Koufa. Ça veut dire le Prado, le TX, les marques X, on se souvient de la cima. Mais aujourd'hui, Toyota Corolla, les années 80, na Toyota Lelo, tu sens qu'il y a développement, il y a ma casse. Monsieur Mercedes, à Koufa, na 190, par exemple, à Tika Compressor, peut-être qu'il y a CLK, peut-être qu'il y a Formatique T, peut-être qu'il y a MLT. Mais aujourd'hui, 190, autant les compresseurs, on sent dire développement, ma casse. Ça veut dire, bah avance ça, bah développement. Bisson à Congo. Papa et Makoufi, vive la musique, et Koufi. Et Koufi. Et mené à Koufi, Victor Ellison. Et Koufi. Papa n'a pas son âme, la Lille à Koufa. Mirador, et Koufa. Mbouta Koufa, un père, et Koufa. Francois Koufa, ok jazz, et Koufa. Fikine et Koufa, et Koufa. Jardin botanique Koufa, et Koufa. Jardin zoologique Koufa, et Koufa. N'est-ce pas Mbouta Pia, Babia. Tu vois ce que je veux dire un tout petit peu? Bah, entreprise, c'est l'État, bah, bata, bah, sotras, bah, nini, quoi. Bah, Pia, et Koufa, et Koufa. Bachani Meta et Koufa. Pourquoi on ne développe pas? Pourquoi on n'avance pas? Et on accepte de Marwa Mindele pour qu'ils viennent imposer leur loi, faire du mal au peuple congolais. La faute c'est à qui? C'est aux dirigeants ou bien à nous, les gouvernés, la qui faute, acceptons. Non, la faute est la partagée. La faute est partagée. La faute est la partagée. Quand on a mis son la faute est la partagée. Parce que Congolais d'abord, au moins, parce que ils acceptent toutes ces bêtises-là. Mais c'est là où l'été est à la tête, tout est dans le chômage, où les besoins d'un esprit à Ibrahim Traoré, non, les zones d'Imaba étranger, ils ont imposé la loi à Bango. Faut que nous une population parce que nous réagissons, mais nous n'agissons pas lorsqu'on voit tout le monde Bango. Nous réagissons, mais nous n'agissons pas. On n'agit pas, on ne fait que réagir. Bêtise, moi, il y a un nino. Nanini, moi caca, eh, Congo, moi-même, moi, comme ça, moi, mais pourquoi tu te lèves pas pour penser à me dire que non, toi agir du fait que mon tout ça a $10 de katana, par exemple, ok, pas changer, fois katombo. Pourquoi on peut se faire un bon papa, on a eu moko. Pourquoi on fait pas des actions sur ça? Bah, courant, bah, blessé, tu vas te courir, il y a un matin, midi, soir, bah, courant stabilité, un moment, la main qui tombe, bah, une forme chiffonnée. On trouve ça normal. Tout le monde vit dans ça, veut dire, le mal est comme il est vécu quotidien, bah, congolais. Le mal, on vit dans le mal, au fait. Quand on voit des trucs autres, il faut que côté ma colo blanc, non, tout ça en côté. Je vois la bêtise. Oh, yeah, yeah, Congo. Il y en a beaucoup. Il y a sa papa, non, la bête est mon papa, le président de la République. Ce n'est pas pour le flatter, au fait. Nous sommes là pour nous dire que nous sommes là pour quand il l'invite, son équipe a fait dans la manifestation, présent Sunganga. Mais ce n'est pas que je suis bateau, bateau, c'est quelqu'un qui pose Sunganga. Allez, quand même, il y a des mal, tout ce qui il faut tout sunga comme on zambo. Celui il nous sunga. Nous sungons lui. Très bien. T'as la bêtise, on a mis sur Oyo, 15 000 francs d'engue et zui. En pleurs. En pleurs. Pourquoi les bonnes actions sont en pleurs, Boïd? Est-ce qu'il me semble que non, Bobandeko? Tout ça, la marche, ceux qui va kati, au 5 et 10 dollars et 4 et 20 dollars et 4 ans, bakata combo, moté. Par
Maintenant, on essaie quand même de mentalité. Donc, enfin, prenons ces 17 ans de carrière. Je sais que des fois, dans la société, les comédiens ou bien les humoristes ne sont pas considérés d'une certaine façon. Mm-hmm. Quel a été votre secret pour vous faire l'image que vous avez aujourd'hui de Dauphin, soit on t'entend à TV, bon money, B1 show, on zappé, parce qu'avec Dauphin, ça blow moi bien et tout ça là, avec Abusso d'une certaine façon. Comment? Parce qu'à un moment donné, si ça décourage un tout petit peu quand on n'est pas considéré d'une certaine façon. Alors comment vous avez fait et quel a été votre cycle? C'était la motivation d'abord, tu vois, la chose qui me motive, le fait d'abord que je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans le mouvement du panafricanisme. Mais le système a beaucoup de choses à l'écoutambo. Alors je me dis, ceux qui ont baissé les bras, ils s'y battent. Je m'en bats découragement, ils aillent en haut. Évidemment, bien sûr, il arrive des fois que tu es natique. Je veux dire que ceux qui ont opéré s'y battent, parce que c'est ton gagne-pain, quoi. Tu vis de ça. Et puis, je suis comme une personne, un gars qui avançait, au fait, il voit un homme en train d'aider un scorpion dans l'eau. Soit il y a un scorpion dans l'eau. Scorpion a sué à travers Nadar, n'a pas sué Scorpion. Soit un gars sauvé a sué. Et puis il lui dit, mais monsieur, tu es fou. Aussi, on a aidé Scorpion, mais il ne fait qu'être piqué là. Laisse tomber. Le gars a répondu à lui, tu vois la nature de cet animal ou de cette bestiole, oh, yo, c'est de piquer. Moi, ma nature aussi, c'est de sauver. Donc sa nature, etc. Alors, je comprends que c'est de ma nature. Dans la moto, on a l'embarraté. Je suis appelé à persévérer, à avancer et aussi à aider les autres. Mm-hmm. Nous, on n'a pas eu de dauphin. To bunda bisomoko. To beta makolo. Na mutu monte a simba obuye. Oh ya kabo non. Non non. J'ai dit bonaba de Okasongo, ba Eric Ndala, ba Franck Laba découvrir dauphin, c'est parce que j'avais fait un pas. OK. Je ne viens pas de nulle part. Parce que donc ba découvrir dauphin parce que na banaki dia ko bima. OK. Ah mon nom makambo. Ah tu vois, c'est dans ce sens-là. Parce que Yomuro s'imposait. Je me suis imposé, voilà. Ça s'imposait avec mon style et ma façon de. Et puis, là, il y a le Onza Matiakatinanga. Ça s'imposait dans le coin. Et puis, ça fruit à souffrance. Tout bête, ma colo, qu'on a limité, tu es pigeon, ma colo. Tu es quand même colo, kaba. Oui, j'habite limité 7e rue. Tu es pigeon. Tu es quand même dans le coin. Tu es là, il y a bypass. Disais que tu as bypass, tu es là, il y a truc. Aux unes, il y a Yolo, il y a mon pono. Mon pono, Zuzu, Rompanga beaucoup tout est. Aujourd'hui, Ngiringoto. Avancer, au bimi bumbu. Bumbu, bumbu, selemba, aujourd'hui, nous allons des princes, on n'a pas au matin, comme il y a. Wow. Voilà. Wow. Tu veux dire que tu as limité TCCZ. Est-ce qu'il y a comme fleuve Congo Hotel? À l'époque, c'était TCCZ. Et il y a comme station Araga, avec Diata Mbouibo qui était là-bas. Nous avons une année de démarche. Naraga. Kouloukaba, Kobeta Makoulouba, aller-retour. Donc on a une souffert année de une année de démarche. Pourquoi Abazoua? Pourquoi Abazoua na Moussala? Nego s'est familiarisé na ba Jean Araga, ba Alain Jaté, ba Nicole Mbaka, ba Vianney, etc. Je me suis même familiarisé avec les gens. Ce pour pas encore en cause tu na s'est fabriqué même gilet mon na tia Araga. Pour ne pas encore na Moussala parce que je me dis que j'avais ça au fait quoi. Donc ça brûlait au dedans de moi. Ça bouillonnait donc il faut on a mis ça donc je sentais ça. Et finalement, on a un côté RTNC caméraman. Mais mon souci était d'être devant la caméra et non derrière la caméra. On a Raga et Simba Pekat. Après une année de démarche. Une démarche Simba Pekat. La dernière fois même, monsieur Versi Zahir, je crois, à Koufa, à sa ligne à lettre, on a fait ça, dit pour un bouiboué, on a commencé à dire pour Gazanga fort. Tu n'es pas la seule priorité. Bon. Je comprends qu'il n'y a pas de gens qui encouragent. On a dit, mais qu'est-ce que tu as donc? Mais il n'y a pas de Simba Pekat. Bon, on a un peu parlé de mon tuyau et bataire. Mais quand tu as RTNC, caméraman, papa. Et je sais que la 2006. Caméra, oui, je connais bah, plan, bah, gros plan, bah, plan serré, plan moyen, plan italien, bah, contre-plongé, plongé. Wow. Tout, je connais, bah, traveling, bah, mouvement caméra, tout, je n'ai pas. Caméraman, pena, régisseur, monteur, on attend un ICR, dans ça, bah, montage, j'adore Premier Pro. Oui. Adobe Premiere Pro, dans ça, bah, montage, etc. Je suis monteur, dans ça, l'aventure. Dans ça, l'aventure, on a bêta, dada. Wow. Na tiepe po na tiepe ba voix ngamo pona ba voix off. Biwanda. Ba ba voix donc Raga FM, la fréquence magique. Après aller, tant ou ba fashioné me bien en 2006, nous on bomba ça là Global Télévision. Donc la première chaîne on a bande la penza commencé officiellement, c'est à Global Télévision en 2006. En 2006. Voilà.
Alors, on a global 2600 ans. Au sali combien d'années? Global, na beta ki ba. L'état ba 4 ans. 4 ans, 5 ans, na global, après, on a une planète télévision. Pas papier Konzo. Oh, on a comment appelé directeur des programmes. Bah, c'est comme ça. Oh, Konzo, il confie. Donc, on a une chaîne, on a pour. Il fallait tout, excusez-moi le terme, d'en faire ce qu'on appelle la masturbation cérébrale. Okay. Donc, toutes les idées, il y a pour voilà, comme directeur de programme de la planète télévision, dans les cas, Molière, papa Molière, dans les qui Kin 24, dans les qui RTVS 1, papa Adolphe Mouzito, Kin 24, papa André Kimbuta, et puis les loyaux, Diwan Télévision, papa Jean-Pierre Moutamba. Comment la Biwan? Biwan, on dit que c'est la pointe. On dit que c'est la pointe. J'étais souvent invité par Ndekonanga Dadi, Neveu National à Pessimboté, je fais dans son émission Zapato Neveu. Voilà, je m'invitais souvent. Alors, tu vois, Dadi, c'est un grand, Dauphin est un grand, Miramikanza, le Dauphin, Miramikanza, Coco Swing, paix à son âme. Tu vois, chaque fois qu'il nous invitait, tu vois, tu sentais une autre dimension de l'émission, en fait. Okay. Voilà, c'était comme ça. Parce que avant ben, la radio, la télévision, il faisait l'émission de la radio Rate pas ton neveu. Voilà, après, ça s'appelle Rate pas ton neveu. Mais je me souviens, une fois, invité à Biwan, c'est espace. On a découvert que c'est l'ambassadeur Moutamba, à Defkonga, la fleuve Congo Hotel. Je dis, bon, écoutez, je suis j'ai encore mes engagements à niveau, il y a Kin 24, donc moi, il y a Isaté. Voilà, Batik. Mais tant où il s'est passé ce qui s'est passé entre l'ambassadeur et Ndekolanga Dadi, tu vois, je ne suis pas en profondeur, ça veut dire, bah, on a quitté, et il considérait que j'étais. Libre, j'étais nulle part aussi. Plusieurs temps après, il y en a qui est libre. Alors, quand l'ambassadeur m'a appelé encore, Dauphin, toi, tu. Non, non, excellent, je suis là. Mais espace à Isaac Vid, viens un peu à Biwan. Je monte, il nous donne l'idée parce qu'il ne voulait plus que Atsa Komumumu pour Namuta qui est un peu plus tard. Alors, maintenant, je dois faire un an avec une émission maison. Tu vois, à l'époque, ton frère, il faisait ça. Mais l'ingipé, ça, la même chose, mais au même moment, touche Nayo. Jusqu'au 100% blague, nanga na commission rubrique, nanga tia Biwan Show. La rubrique c'était la tradition bafima lingala, Dauphine Olia quand je me déguise en femme, etc. Nabloa Miki, et puis Nabanda, première émission avec Fisson Saïsaï. Avec Fisson Saïsaï. Voilà. C'était le 1er décembre 2012. Et dérangeant a été pour voir que Moutounayo, émission Banoya régulièrement, que après le départ, Nayo remplacé carrément comme c'est Bando dérangeant. Imagine où il y a Rosa Nanga, comme le Bayam Sou, par exemple, Dauphin attendait seulement mon départ pour y remplacer un genre d'émission. Il y a la différence si j'étais membre de Zapato Neveu. Je n'étais pas membre de Zapato Neveu. J'étais un invité qui venait. Et puis j'étais un habitué de cette maison. Et avec l'ambassadeur, Adjan Yabiwan. Donc avec l'ambassadeur, on se connaissait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà, et ben bon. Je n'ai que l'on cause place à Moutouté. Et je l'ai dit tout à l'heure, il considérait que j'étais nulle part. Et l'ambassadeur a vu que profil, il y a trop haut de Konabiso à creuser. Pendant que la personne qui répond au profil, c'est Dauphin. L'occasion fait l'arrond, dit-on. Voilà, je suis allé. Donc, il dérangeait d'une certaine façon. Et ça, là, l'espace, c'est ça. Toi-même, Biwan Show, c'est une émission maison. C'est une émission maison. Oui. Aujourd'hui, si je quitte. Et tu es à Biwan. Et tu es à Biwan. Non, Rosong est peut-être 100% blague. Ou autre chose. Au Rock, il est peut-être ailleurs. Tu es au Sali. C'est-à-dire. Il est naïo, non? Ceux qui n'ont qu'un d'ailleurs. Parce que comme le message est le Congo, nous n'avons qu'un mais nous peut-être. Il faudra modifier toujours. Mais tout ça, la gâte. Nous modifions, nous n'avons pas de jarre. Voilà. Dauphin, vous avez particulièrement, personnellement, vous avez une chaîne YouTube. Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Dernière publication, vous avez quand? Ça date. Ah, c'est que. Au Kiparanoyo. T'es un Kiparanoyo, pendant la noté. Bon, c'est bientôt que je. Parce que je me suis dit, par le programme, je dois avoir aussi une chaîne de télévision. Il y en a ça qu'à Dauphin TV, ma chaîne YouTube. On a ça juste quelques trucs pour exister dans, dans le web, quoi. Pour Isala. Mais Nali Matango, penate. Mais Isali, j'ai les codes, ma kamboutou, tout nan. Et bah, l'élément, il y a Biwan Show au public en haut. Souvent, l'émission entière, parce que d'abord, c'est la chaîne qui garde l'exclusivité. La chaîne garde l'exclusivité. Mais bah, extrait, bah, l'élément, mais qui est sur la page Facebook
Biwan Show officiel, na TikTok Biwan Show officiel, na Instagram Biwan Show officiel. Vous allez voir des notes, on a sur extrait tu vois temps fort. Pour na biga pour moi les réseaux sociaux côté comme milai penza, la longue mi couser pour na bah toi c'est carrément c'est détente quoi. Pour permettre pour te télécharger tu peux na kata chombo nao. Voilà. Je ne sais pas si la technologie aujourd'hui parce que na l'auto que nao technologie et mata, na intelligence artificielle ainsi de suite. Est-ce que la technologie est au détruire ou bien au matisser sous l'humour ou bien la comédie en fait? En fait non, la technologie n'est pas venue détruire en fait. C'est l'homme qui détruit la technologie. C'est l'homme qui détruit la technologie. C'est l'homme qui détruit. Tu vois par exemple l'usage du téléphone, l'usage des réseaux sociaux. Elle m'a bêté, elle a bien. Mais quand l'homme abuse et commet des destructions, comme comment abuse les réseaux sociaux. Je pense même pas que Bamindé va sur Facebook, WhatsApp, va ça va bêter sur tout ça là, qu'on se publie mon inga, tu vois, qu'au téléphone, aller au banni, qu'au finger, yo, y a quand même un fan dans le billet, et comme règlement de compte, tout le monde va abuser. C'est l'homme qui a la base, tu vois. Et un moment donné, quand t'as montré la base, les oui et les non appartiennent en fait à l'homme. L'homme a le cas développé, a qu'un éliboso, certes c'est vrai, mais ils en a battu les et ça les lie, pas battu monsieur sous les amabé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je salue et je respecte en tout cas la décision prise par le président burkinabé, camarade Ibrahim Traoré, qu'on l'appelle camarade parce que c'est un panafricain comme nous autres. Il y a quoi interdire, bah fille, tout, bah, c'est comment qu'on s'exposer, le que ça vulgaire dans les réseaux sociaux, sous peine. 200 de prison et puis, bah, il y a millions de vanines, il y a bambou, il y a quoi foutre. Ça fait mal, mais quelque part, ça en vaut la peine, quoi. Ah oui. Tu vois, nous sommes des Africains. Tout le monde s'en va qui bobi sauter. Tu vois, quelque part, tout le monde s'en va qui bobi sauter, tu vois, bah, Africain. Tu vois, donc la technologie n'est pas venue détruire. Par contre, il faut accompagner, mais il faut accompagner bien ceux qui usagent Nango. Ils ont malam. Voilà. Enfin, prenons par rapport aujourd'hui, nous sommes Congolais et Kinois. La majeure partie, il y a humour, Nabiso, bien commun, et ça, la marque plus en Lingala. Avez-vous déjà pensé un jour, ou bien qu'on transcende, ou bien qu'on mema de l'humour Lingala, comme on a français, par exemple, aujourd'hui, ceux qui, par exemple, l'extérieur doit consommer bah produit nabiso. Est-ce que l'humour wana auto sala na lingala na komito sala lingala et regarder authenticité nango ceux qui tombe en français. Bah écoute, je dirais c'est un peu facultatif cette réponse, ça serait oui, ça serait non dans le sens où d'abord moi d'abord tant que panafricain, tu vois, na bunda pona lingala na ngape ezwa. Ils ont ampleur. Ils ont ampleur nango, ils ont peu place nango par rapport à langa papaya. On a quand même avec les impérialistes et les occidentaux qui nous imposent leurs trucs, ils sont mopés, les bateaux topés, développer autrement. Alors, vu dans le cadre, il y a diplomatie, c'est vrai. Le français, la langue, il y a business, langue, il y a diplomatie, etc. Et tout ça là. Mais Rancia, je l'ai dit tout à l'heure, il a été au Parlement du Rire. Il a été au Marrakech. Les Kisabaka, etc. Le Herman Amissi, ils répondent de tout le temps aux invitations. Il y a quoi, Libanda et tout ça là. Kendaka. Tu vois. Alors, dire que Perdaka, Gardaka, originalité, Nango Gardagate, c'est oui, c'est non, comme je l'ai dit. Toi, on a filmé Pachabai, Viva Riva. C'est très vendu, le film. Mais ce film, c'est fait en quelle langue? C'est en lingala. Tu vois. On a les films La vie belle, de Papa Wemba. Bien que c'est en français, mais la majorité de partie, c'est en lingala. Les lots, tout à l'heure, même au Nigeria. Au domaine théâtre, au Nigeria. C'est en anglais. Mais au moins, on a tout le monde qui est en anglais. À tali film à habiter le solon. Eh, ma écoute en yaki, ABC écoute, eh, nani, yo salue pour nani, asiliki, awamou na maman, chakira, bichiki, nani, chakarachika, bimelie, ABC, yo salin, awa. Pourquoi? Parce que il a compris. L'image est bien faite, et puis il y a le comment oya tira qui est. Ceux qui même notre théâtre de chez nous, tout va théâtre na biso, tout le monde comme maman, on a un niveau moro, à tête qu'on a l'ingala, on va bien vendre. Tout à la film est Apocalypse. Apocalypse. Tout le monde a la version française. C'est le. Et langue nangwana. Mais si on bien expliquer Apocalypse, expliquez-moi ben tisuka. Parce que c'est le contenu au fait qui compte au fait. Voilà. Donc moi je dis, j'encourage ceux qui font en lingala, ceux qui font en français. Tant mieux. C'est pas tout le monde qui est censé faire en lingala, ni tout le monde faire en français. Il y a des ceux qui font en français comme Baron, Sabanane, Bané, Bazali, qui bah qui n'a qu'au côté qui a payé image, il y a un Congolais, c'est vrai que non, c'est des Congolais qui parlent français très bien et qui peuvent faire ça même. Oh, bah ça peut être lingala, mais on en sent qu'il va améliorer. Va améliorer la qualité, au fait. Tout ça, on va serrer dans les fois, sans on aura Dauphin, c'est difficile, on va groupe à théâtre. C'est difficile. Mais je suis en train de préparer déjà un truc.
Kalamingité Bourgeois. Parce que j'ai eu mon temps, hein. J'ai pris du temps pour préparer Onoano Kalamingité, une série à plus ou moins 10 minutes. 10 minutes. C'est déjà une saison, il y a 10 épisodes au Kalamingité Bourgeois. Comment on a ma famille et moi. Ma famille et moi. Rancia Koukiel, je te salue. De Fatangio plus de 4 fois. Ouais. Donc, ça veut dire que l'élan fort. Et on a vraiment. Ça, la fierté n'a plus sur ma casse. Ça, la fierté n'a plus sur Rancia. Vraiment. Vraiment, ami, c'est surtout. T'as qu'à dire, vraiment, ami, c'est ça là qui. Il y a art, toi. Il y a. Il y a sauf valeur. Et c'est que vraiment, ami, ça fait pendant. Pendant la canne. La canne. Oh, c'était. N'a qu'au temps présent, un bac qui va jouer. Fallait un banane, maintenant, dès qu'on a mis soin. Oh, c'était formidable. C'était vraiment formidable. Bah, c'est un sabiso. Bah, tu vois, Kabola Pébiso, bah, humoriste. Bah, moi, j'ai bien les formes, toujours. Posez question, très bien. De fait, on dirait que ça fait un bout de temps, oui, certes, aux géniteurs, il y a un bah, concept moins belé. Mais on dirait depuis un bout de temps, de fin, comment on a le boss, comment on est patron. Inspiration, hein, on dirait, ça a sauté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui patron de me remplacer, je suis sous inspiration, ton de. Tu be one show. Même tu barré, inspiration. Même pas. Non, attends, on a tout le monde une question par rapport à ton jeu, mais ça va arriver. Pour ne pas sa réponse bien, au fait, tu vois, Dauphin, Namoutou Oyo, ou la seule personne, ou parmi les personnes, bon, s'il faut compter toi trois, Ouerasson, Fabregas, na Dauphin. Ah. Ou tout ça, les écoles. Les écoles, les écoles, les écoles, les écoles. Tu vois, tu vois, Kani, et Zabanaï. Fabregas, Deplik, Bill Clinton, Héritier Wata, Ferregola. Ouera, il mérite beaucoup encore. Et donc, oh, Fali, quand même. Toi qui n'as pas l'aimé, N'habite que moi, Nate, n'a pas bien. Ouera, Bimisi, Bana. Okay. Et Bana, n'a pas pécié, bah, Coco. Fabregas a pécié, Ouera, son Coco. Bah, bien affilé, Matarazi, bah, Ibrator, bah, Nekonanga, bah, Bekam, l'aide du maître, bah, pécié, bah, Coco, Ouera. Comprends? Tout comme mon père Fabregas, Bana, n'a pas pécié, bah, Coco. Tu vois, non? N'a pas de faible mental. L'ennemi, c'est bon. Bah, de la star. Bah, Tintin Binzo. Ikono Libago. La liste, elle est très longue. Et puis, bah, n'a pas de personnel. Bah, Koko. Bah, Poro Mamadou. Bah, Beni Mawete. Bah, Tala. La liste, elle est longue. C'est ça, au fait, quoi. Tu vois? Souci n'a pas de cas. RDC est la orpheline. Ya Bartiste T. Ok. Nous sommes Batou Oyo. Qui, pendant que les autres dorment, pendant que les bateaux sont fins à Dauphin, les bateaux sont conspirés, bisous toujours là la tête pour le quoi. Comment est-ce que Baptiste va s'y la congoter? Comment est-ce que Baptiste va s'atténuer? Tout ça parmi ceux-là. Je sais. Et le lobby, ils ont un bateau peu passé là bas. Comment je peux dire? Blâmer là pour les locaux. La personne en l'occurrence c'est pas Daddy Augustin Woto. Augustin Woto, merci beaucoup Daddy, l'homme de Dieu. A pas mélinga pour ne l'okoana. A be commis trop patron. Bon, c'est le terme. N'a trop patron te. N'a koka n'a koma n'a pété. N'a moke autant que la paix saranga. Y'a on a son rabatou. Avec mon pauvre petit studio na sala. On a son rabat. Jeune talent bako yemba. Basa banze mon abamo babima. Et puis mon pauvre petit émission B1 Show. Oui, misapé batu belé. Etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Quoi. Donc, n'a linga tembo kanangez à la orphelin. Y'a ba artiste. Je passais au fait mon temps. N'a ko son rabatou. Qui ko son rabatou. Komi son rabatou. Alors, j'en ai un peu fait trop. Et là, et décourageant, c'est l'irréconnaissance de la nation. De la nation et à bateau pour Sungak. Il reconnaît pas cette belle. Il vient de ton école, mais. Reconnaissant à Makassi. Il y a mis ce bateau belle. À part la musique, à part la comédie, il y a mis ce bateau na DJ, la plupart des grands DJ, dans la ville, dans la deux faibles matadis. Évidemment. Artiste pena bête à boire, comment aïe bani pena boire? Oh, à l'équipe par B1 Show, par Dauphin, non, machin, ma beauté, t'es que, et ça, et puis ça, bateau, or, pour n'a qu'à regretter, écrire ma polémique, non, pour comment tu n'as pas bêtise trop. Mon ta phrase, oh, quel bon anime à ma B. Ça veut dire, on a donné, accompagné l'épanouissement d'une personne, et puis on a donné ce qu'il fallait faire. Vous êtes une l'émission. Personne véridique. Vous pensez que moi, deux. On a dit à ma bête, quoi? Guess ma beauté, fruit à B1. Fruit à B1. Oui. À part ni compétition à la place soit là. Aujourd'hui, qui n'est pas fier de ces messieurs? Qui n'est pas fier de Guess Mawete? Moi, je vais histoire avec mon sous. Pour rien, mon sous, c'est un évite, même si on a qui m'a passé. Mais, si on a un dauphin, tu expliques, pas si ni on a un bon appart comme tu as allé. Ou pas un peu tout le monde.
bama kolo changu ti ba biwano wana guitare na mukongo parce qu'on n'a pas les esprits de documentaire à Dauphin Boulamatali tout solo arabien tout solo arabien quand mais il quand il est en tout cas muto bena salanga tinga na koma pena le lobo bon on y phrase ami phrase à batumwin tu vois il faut arranger les choses c'est parce que ça la guerre ça peut être dit ça veut dire on topé comment je peux dire non na canal na yo voilà par canal voilà parce qu'il venait souvent et parce que les gens savaient ça au fait quoi. Parce qu'on ne devient pas grand de soi-même. Pas du tout. On est toujours d'une manière ou d'une autre. Voilà, soit d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Indirect. Voilà, c'est comme ça. Gaz Fabulous. L'éternel reconnaissant. Waouh. Vous voyez que vous avez bien mis sur Gaz, il est mis sur 13h. 11h, déjà la B1. Waouh. Voilà. Et j'étais même surpris d'apprendre que même Gali Garvey à l'écran à la B1 Show. À ça va playback à la B1 Show. Ma pipo, Isso Motema, Big Man, Erwan. Tico, vu toutes ces qualités. Et aujourd'hui, aux yeux de la chaîne TNT Bélé, la plupart des journalistes ont frappé. Ils ont école à Dauphin Boulamatali. Ah. Oui. So aux yeux de la fête à ma raison, c'est samedi, mon robot. Tu vois un jeune en train d'animer. École à Dauphin Boulamatali. Oh. Ah oui. Donc, on animera pas animateur culturel. Oui, j'en informera pas animateur culturel. Voilà, on informera pas banane. Wow. Oui. Puis c'est pas mon père, ma camoupe, que non, voilà. Puis c'est pas orientation, puis pour. Dauphin, on a besoin de toi dans une fête. Non, je suis pas disposé, je peux envoyer mon enfant. Est-ce qu'il va faire comme toi? Non, sois sans crainte. Ok. A Kepekuna, l'oubli, non, Peké. Dauphin, en tout cas, merci. Donc, on n'a même pas senti ton absence. Ton enfant, donc, ah, c'est qui si bien ce fort. Wow. Bah, toi, comme beaucoup, vous animez, mais vous avez un sens comique, moi, Dauphin. Pour ne pas transmettre à Roman Kambou. Et toi, qui émites. Donc, si vous avez la capacité au Nyon Soboué, qu'est-ce que vous a poussé à aller carrément en politique, au postuler la députation? Pour nous, tout fond, là, c'est parce que tu vois, toi, Roman Kambou, mais toi, accompagné. Ça veut dire que tu comprends que non, déclenchement, il y a bien. Déclenchement, il y a vers l'émergence, vers le développement, Marmebele, ils ont un cata politique. Ils ont un cata politique. Évidemment, la politique ou bien ils ont peut-être remis le bon. Ah ouais, on a gagné Benaming, mais soit en cause de la politique, peut-être on a gagné. On a gagné Ming, pour ton information. Tu vois, tu vas proclamer, pour mon parrain, c'est Tony Mbaka Zadien, n'a pas si moi, pas Koulou, tu sais Kazali. Il m'a dit, Dauphin, ce qui va arriver, il faut assumer. Vous avez déjà vu. Ah, on a vu mon coup. Mon thème, il y a pio. Je suis pas comme les autres. Oh, tant que je me quitte, je suis recourté. Je dis que j'ai été voté parce que je suis un artiste, toi pas toi, populaire. Mais, oh, c'est moi qui ai mon canon à battre. Mon canon à nous embêter. Mais en réalité, il y a des amours différents. Hein. Être un artiste ou bien. Naibi Moussala Ona Salaki. Naibi Moussala Ona Salaki. Je le dis en connaissance de cause. Tu vois, même si on a Salaki, je dis en connaissance de cause. Tony m'a dit Dauphin, ah, Koulout, Salaki, très à l'aise. Bah là, je n'ai pas pensé que ma bête n'a pas de maille. Mais comme mon tozo, qui a un point en aïe, c'est un peu. C'est-à-dire pour moi, c'est mon frère qu'on aime d'aller en aïe. Nazon Azate, c'est mon frère qu'on aime d'aller en aïe. Tu vois, alors, ton côté politique, parce que, et Kangi Nyon sort. La politique a tout bloqué. Francis Olobatolobi, Nalia Kabien. Dans la gagne à Rapenza. Nalia Kabien, voilà. Merci, merci. Je suis en loba. T'as publié Batou. Ah, t'es, de faire que nous posté pendant $3000. Et 23. Ceux qui 33, ceux qui 23, bref, la montagne. De 21 000 $, bon, ce qu'on va passer à 33 000 $. Ah, posté pour un bon. Ah, fais notre rabatou. Pour un bon. Ok, pas de problème. De faire que tu en as fâché. De faire moi qui n'ai pas qu'il n'y a pas. Petit secours, on a pas aussi qui s'est perdu sur son gars en tant que mouton, en tant qu'artiste. On a imité à gaille. A je peux pas qu'on a mis pour son gars. Mais par contre, ceux qui. Oui. Que au monde ailleurs, après, je peux audience au côté. Quand ils ont des manifestations, qui a imité à gaille? Non, c'est que ça qu'avant. Et quelle a été sa réaction quand il apprend qu'il a imité à gaille? Mais c'est carat. Il est là, des fois, tout son nom, il a fait un photo, il rit. Mais c'est que ça gagne. Je suis le seul artiste. Qu'est-ce qu'il t'a déjà dit? Je suis le seul artiste qui, devant Kabila, a imité Fachi, ou imité Yachichi, ou imité Mobutu, ou imité. Je suis le seul artiste devant Fachi, Nabeti, Kabila, Kabang, et Banin, pour nous avoir une unité. Le seul artiste. Nous sommes tous au bang, on a déjà l'air, on a déjà. Parce que l'histoire, nous avons fait ça, Azate. Donc, bref, tant que Eleki, pour lui publier tout. Bon, moi, chagrin, moi, pas c'est mon qui a la gare. La suite, bon, ok. Quelque chose, un peu d'invitation. Il y a un anniversaire à
maman Liliane Bemba. C'est pas Charman. Bête anniversaire. Mais le parler de Mobutu, l'intérieur de Mobutu, il faut être dauphin. On a souvent bêta qu'on. La bêta qu'on quoi? Bêta on est. La bêta a parlé. Eh ben, je crois que nous devons savoir que le Zaïre, nous avons chionné pendant 32 ans. Je vous ai donné un fils. Nzanga Mobutu, eh ben, quand tu le regardes, donc tu vois, l'intérieur de Mobutu. Nzanga m'a dit, mais tu fais papa. Tu fais papa. La bête a pu voir Fatibou devant Nani. Vous voyez Tchaman en nation, on a noté. Bête va Fatibou. Sous combien appelle ça Kinga? Combien? Ministre, vous êtes député Fosela, un mois. Pose à 23 000 ans. Bisous artiste, même sous un jour, moi quoi. De Fosbende, combien? Merci beaucoup. Donc, nous, par contre, tant que politique, tant que vous en mouvement, tant que sacrifié n'a pas vu. Ah, vous sacrifiez la vie? Oui. Mais, en donc, partant, sacrifice. Vous êtes natif, il y a limité, toi, à Barumbo. Yo fan d'arabe. Yo fan d'arabe. Là, moi, on a limité. Bon, on a limité. So, d'ailleurs, yani, cimetière, on a limité. Bon, on doit. Mon élo, quand on a tout ce que tu as fait, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il y a un peu de esprit qui tribalisme, esprit à esprit à Nini. Comment on appelle ça? Il y a. Bah, confier à quartier, comment on appelle ça encore? Bah, guerre ethnique. Ok. Et on te met en Akata Congo sans le savoir. Bon, moi, je suis Barumbu. Parce que d'abord, oui, tu vois, il est natif et limité. Mais là, la fin de la Barumbu, on a fait deux. Avenue Presse. Est-ce que, pour nous, on a Barumbu, il faut que moi, Barumbu. Combien de bains à Barumbu ont été là aussi parce que Barumbu a répété? Combien de bains à Barumbu? Combien de kino ont été des kito, le gouverneur, qui peut répéter? Tu vois un peu ce que je veux dire? Ils ont un faux débat. Ils ont un faux débat. Ils ont un bloc politique qui nous ont brouillé pour rien. Il y a un esprit qui nous trouve, surtout qui nous. On a tous le même problème commun. Partout, je dois être franc et sentir à l'aise. Je suis animé, je suis à Gombe, je suis à l'aise. Je suis de Gombe, je suis à l'aise. Et je suis à l'aise. Si on a l'issue de séparation, qui a amené ça? Tu n'as pas qui nous. Si tu as un temps pour la carte, pendant que l'exemple est Gombe, je suis à Barumbute. Dès qu'on a un Barumbute, il faut sauter Barumbu. Non, ballon de voilà. Très bien. Alors, Dauphin, nous allons jeter par cette question. Je voudrais. Obéter Abisso un peu. Ça, moi, analyse Obéter comment aujourd'hui. Parce que ça, c'est le deuxième mandat du président de la République. Au moins, comment est-ce que le pays est conduit? Mabé, toujours. Rien ne change, en fait. Rien ne change. Non, il y a quand même dans le secteur ou dans le secteur réseau qui est dans le secteur nuance, c'est ça, chaos. Dans tout. Il n'y a aucun secteur. Non, je ne mâche pas les mots, je le dis. Je m'adresse à mon papa. Je m'adresse à mon président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au quand j'étais candidat député, parmi les électeurs à Dauphin, je vote qui numéro 20 comme président de la République. Je vote qui numéro 20. Je n'ai pas voté, je vote. Il a voté Fatih Beton Mokantombolo parce qu'il est le président de la République. Là maintenant, je parle en tant qu'un fils Ngunza. Je parle en tant qu'un panafricain, un nationaliste. Yeah. Nous savons tous qu'on a un problème avec les impérialistes qui imposent à nos présidents la manière de voir comme la bambo kanabango et qui ne marche pas parce qu'eux sont en train de viser leurs intérêts. Qui accompagne Fatih quand il prend des décisions? Qui l'accompagne? Personne. Pourquoi je dis que nous sommes tous à la base des soupapes de Mamambo Kanabiso. Le président de la République face à Emmanuel Macron, c'est un impérialiste, je l'ai dit. Fatih a indexé Macron. Pour la première fois, ça fait la une des journaux. Le monde entier en a parlé. Un président noir a eu indexé M. Emmanuel Macron. Qui a accompagné Fatih? Qui a pris le temps de mettre même cette partie à TikTok, à Instagram, à la page Nanina? Personne. Mais nous tous, on est allés publier Bandal. Comme Macron était là, Bandal. Nous tous sommes publiés Bandal. Qui accompagnait Fatih? Personne.
Le président de la République a quel sommet à Nations Unies? Il part défendre son pays. Il n'a pas parlé des mamans Marthe. Il n'a pas parlé de sa femme, maman Denise. Il n'a pas parlé de son père, Tshisekedi, ni de son parti UDPS. Il a parlé de la République démocratique du Congo, des Congolais. Et vous savez qui ont eu à faire les analyses et discours à Fatshi? Les Burkinabés, les Nigériens, etc. Mmh. Les Congolais, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on accompagne même notre chef de l'État? On ne l'accompagne pas. Tout la paix claire. Tout le monde finit pour critiquer. Mais lorsqu'il s'agit des bonnes choses, des bonnes actions, on ne le fait pas. Congolais, vous finissez de faire une émission, vous finissez pas de problème. Mais on a conscience, la subconscience, on ne voit pas que notre femme a raison. On n'a pas accompagné Fatshi. À l'obéli Congo. Et il y a un moment où il y a un Congo. Il faut sentir l'eau au moussous. Tu vois, Ibrahim Traoré, lorsqu'ils ont été reçus par Vladimir Poutine, lorsqu'il y a Maki Banani Wana, quand Ibrahim Traoré a parlé de son peuple, retourne à lui. Il y a un mec qui s'appelle un impérialiste. Aujourd'hui, c'est que ce monsieur, ce camarade est en train de faire Nambo Kanaï, qui n'apprécie pas. Tout le monde apprécie. Bien qu'il y a des pauvres, il y a encore des idiots africains, frères, qui cherchent encore à détruire Bandekona Bangomoko au profit des impérialistes. Le président de la République invité Nani Nina na Brazzaville. On parlait comme un réchauffement climatique. Mais vous savez, le risque, c'est que le chef aille. Atima comme réchauffement climatique, il a profité parce que le décideur y a Afrique, Bazaran. Abandi Koloba applaudit plus de 6 fois le président qui a accompagné Fatshi, qui a pris ces images extrêmes et qui en a attiré quelque part. Qui a analyse, voilà, les chefs d'État, qui a fait ça? Mais personne. Mais nous sommes là pour l'insulter, pour le critiquer. C'est pas un magicien. Il ne fera rien. Lelo Oyo Bangunza va aussi à Fatshi. Retour sur l'authenticité, à reconnaître le Congo. Moi, nécessairement, nous, la population, nous accompagnons le chef de l'État. Je pense qu'il va impérialiste. Bah, toi, nous sommes limités que le Congo tout développé. Même si la guerre est au côté politique, Nakati, bah, est aussi là. Et aussi là. Le président ne peut rien sans accompagnement d'Abisso. C'est parce que la population n'accompagne pas le chef. Toi, très naïf. Très bien. Très akolala. Et aussi, Mbate, rien ne marche. La faute n'est pas attribuée à Fatshi seulement. La faute est attribuée aussi à la population. Ok. Tu vois, nous, nous sommes à Kemit, toujours apporter la solution. Par exemple, quand je dis que non, le programme d'enseignement va changer en haut. C'est ce qui se fait de faire un lobby. Bon, il faudrait que tout le monde. Tout le temps à Diego Kao, avec une bêtise qui a découvert la bouchée du fleuve de Zahir, Diego Kao. Qui l'a accompagné, on a bu. Finalement, qui a découvert quoi? Bon, Napoléon Bonaparte en profondeur, la guerre de la France en profondeur, la guerre des États-Unis en profondeur. Qu'est-ce que nous en avons à cirer? Et nous, allons notre histoire, qui va nous l'apprendre? Pourquoi ne pas étudier un jour le Mumba en profondeur, qui me parle vite en profondeur? Quand on a en profondeur, on nous importe des religions, on nous importe l'éducation, on nous importe des systèmes qui ne s'adaptent pas aux nôtres. Donc, on va te dire matin, midi, soir. Et puis, vous dites que non, c'est non, nous sommes à Kosunga Wapi. Dieu nous a tout donné. Et c'est un peuple colombien maintenant de se réveiller, d'accompagner Bakanambo, Bakanwana, laisser la population proche Nabino. Très bien. Maïs, ça n'engage que moi. Jusque là, c'est vrai. Oui, c'est le deuxième mandat chef de l'État. Madame Sinonga, t'es là, Mamoutou Kasko. Ah, vous prenez Batou. Oh, Nini, Seigneur de Missy. Après, non, t'es co-constitutionnel et co-invalidé Moutoutel. Après, t'es assez sous-recours. T'es Bassong ici. Mais pourquoi tous ces yo-yo? Prenez pas yo-yo, oyo. On n'est pas là pour ça. Merci beaucoup Dauphin, ça valait vraiment la peine. Alors je vous laisse en 30 secondes de parler au public, aux téléspectateurs qui nous ont suivis. La caméra est là. 30 secondes, nous allons Naïmité, t'es tourné dans le bagage. Peut-être que ce soit chuté la imitation, je ne sais pas moi. Bon, les Congolais, aimons-nous simplement, c'est votre frère Dauphin Blumatadi. Je suis toujours là, donc votre émission aussi est toujours là. Je vous aime beaucoup, surtout le Bahama Kamboyo, parce qu'on a compris beaucoup de choses. J'ai dit au début, nous avons lu des livres qu'on nous interdit. On est allé vérifouiner dans des coins, recoins à Mboka pour découvrir la réalité de Bélé ou même l'Abisso. Donc, on a un jeune affranchi aujourd'hui. Nous sommes plus de 5000 jeunes au Tososoli. Bientôt, si vous allez avoir une conférence, on a encore organisé. Bientôt, mythe révolutionnaire, panafricain, Boroya, Borozoka, le lieu, la date exacte pour notre coup, tout ce que nous avons cannabis. Donc, on rencontre ça, c'est la moins bien. Donc, bref, Dauphin, je vous aime toujours d'un amour inconditionnel que le Père Créateur a Pambola Bino, Mbote, Papa, Nanganyo, surtout, et puis Bakamé Mboka, Mbote. Voilà, la situation, c'est la voix Nani. Raïs, c'est bon, et na Fatshi. Mes très chers compatriotes, la date d'aujourd'hui doit être marquée d'une pierre blanche
pour le devenir de notre pays. Écoutez, voilà Raïs. Boutou, eh bien, je crois que nous devons nous mettre d'accord. J'ai reçu l'invitation. Eh bien, je suis arrivé, j'ai sionné tous les aïrs, je ne peux que me réjouir. Je dis, je vous remercie. Mousé, voilà, vous avez voulu la libération, vous avez été libéré. Je pense que nous devions nous prendre en charge. Organisez-vous, c'est une organisation démocratique. Moukantombolo. Mes très chers compatriotes, je tiens à dire et à remercier même effectivement toute cette émission, tout au long de l'émission. Je même m'amuse à comprendre certaines choses que tu venais même de dire. Parce que je l'ai dit, hein, pas de, mais moko, congolais moko, moko. Patrick Mouya, pour faire plaisir. Voilà, nous étions avec le chef de l'État et tous les membres du gouvernement. Nous avons eu à parler en ce qui concerne, bien entendu, ce problème de la guerre de notre pays. Et je pense qu'un couvre-feu sera bientôt lancé. Dauphin, en tout cas, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Non, ça va te remercier, ça va te remercier vraiment. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Je parie que Dauphin vous a énormément fait plaisir. Vous avez appris, vous avez été guéri tout au long de cette émission. Merci à Chrislin d'être là. Merci au DT. Merci à toute l'équipe de Congo Buzz Télévision. Alors moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya diaspora éparpillée à travers le monde. Au côté d'un bon économie facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tirer la bande de Kombongo. Dans il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'on récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manila, Bango, et yo, et si ka ozali, bon nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et qu'on tindi na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Marambaro, Télémanagent, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.